Bonjour monsieur le préfet et merci de vous présenter à guinemattin.com. Donc, votre nom? Mon nom c'est colonel Ibrahim Abari. Je suis le préfet de Bofa. Monsieur le préfet, aujourd'hui, la Guinée célèbre la fête d'indépendance, les 63 ans de son indépendance. Mm-hmm. Vous êtes le préfet de Bofa. Mm-hmm. Et quel est votre message aujourd'hui à l'endroit du peuple de Guinée et en particulier du peuple de Bofa à cette occasion? Bon, d'abord, je vous remercie très sincèrement. Et, vu, n'est-ce pas, le contexte du Covid-19, on n'a pas fait une fête solennelle là-dessus, mais nous avons fait le dépôt de la gerbe de fleurs à la place des martyrs. Et il y a eu une forte mobilisation des forces de défense et de sécurité de la préfecture et des cadres préfectoraux. Donc je félicite Monsieur le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, chef de l'État et président de la République, n'est-ce pas? Et par son investiture hier, et nous sommes dans son esprit et on restera toujours dans son esprit. Donc je vous remercie. Et est-ce que vous n'avez pas de message à l'endroit de vos citoyens? Quel message de en tout cas cette bon, occasion? Pour cette occasion, je dirais que la préfecture de Bofa, il y a beaucoup de problèmes ici, mais nous sommes en train de nous battre pour que ces problèmes-là soient résolus. Et j'avais d'ailleurs souligné, n'est-ce pas, ces trois objectifs. Premièrement, il y a d'abord le problème d'électricité que j'ai trouvé sur le terrain. Ensuite, il y a le problème d'eau et le problème des emplois des jeunes. Donc, par la grâce de Allah et par l'aide du président de la République, comme déjà il a confiance en nous, et on sera à la tâche de cela. On sera à la tâche de cela, d'ailleurs, que j'ai entamé le premier point, l'électricité c'est déjà presque, ça sera résolu. Après, je vais suivre, n'est-ce pas, le deuxième point et ainsi de suite, le troisième point. Donc c'est ça. Allez, allons-y.